Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fonds de l'Archive. Aujourd'hui, direction les archives départementales de la Mayenne pour un retour sur l'expérience de résidence d'archives itinérante en lien avec l'association OFNIBUS. Pour nous en parler, nous accueillons Jérôme Chevreul, responsable des archives numériques, des fonds iconographiques et audiovisuels aux archives départementales de la Mayenne. Bonjour Jérôme Chevreul. Bonjour. Premièrement, quelle est la situation actuelle de la collecte des archives audiovisuelles dans les fonds des archives départementales de la Mayenne? Alors, les archives de la Mayenne conservent des fonds audiovisuels publics et privés. Donc, dans notre mission de collecte d'archives publiques, on a principalement des films qui proviennent de notre direction de la communication, donc qui révèlent des films surtout de la fin des années 70 à aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans la communication du département. Après, on a des archives audiovisuelles privées de façon moins importante. On en a dans des fonds privés, dans cette fameuse série AV. Là, on aura des films des années 50, 60, quelques bobines, mais voilà, on a des fonds qui, voilà, plusieurs centaines d'heures, mais ça reste quand même assez moindre par rapport à d'autres services d'archives. Et on peut aussi avoir, dans un autre cas, des archives audiovisuelles, mais là, que sous forme de fichiers numériques. Donc, c'est des gens qui sont venus nous prêter leurs documents, on les a numérisés et on leur a rendu. Évidemment, sous forme de contrat de réutilisation, évidemment, et de droit, parce qu'il y a beaucoup de questions de droit d'auteur, de droit d'image, tout ça. Et là, on en a quelques-uns aussi qui sont très intéressants. Qu'on peut donc aujourd'hui, on a des films qui sont diffusés sur notre site internet, sur justement là, ces fichiers numériques. Et donc, il s'agit du fonds Georges Guenoux, c'est des films des années fin des années 20, début 30. Et on a une quarantaine de films donc qui sont diffusés sur notre qui sont communicables et recherchables sur notre site internet. Donc voilà, c'est pas on n'a pas des fonds, n'a pas des rayonnages remplis de bobines, mais par rapport à d'autres départements, je pense aussi à département de la Seine-Saint-Denis, je crois qu'ils ont vraiment des fonds extraordinaires. Mais la Mayenne, voilà, on reste encore pas pour utiliser un mauvais objectif, mais ça n'a pas été forcément la priorité ces dernières décennies. Alors, il y a une petite différence sémantique entre les mots employés par les archivistes, on parle souvent de fonds audiovisuels, et les mots de l'association, objet filmique, qui se retrouve dans le titre de l'association. Est-ce qu'il y a eu une réflexion sur ces notions-là de votre part? Alors, on ne s'est pas initié dans la façon dont ils en parlent. C'est vrai que nous, oui, il y a les termes archivistiques, on y fait attention. Mais voilà, eux, l'association, donc ils ont. En fait, pourquoi ils ont parlé d'objets filmiques non inventoriés? C'est parce que une de leurs premières missions, en fait, c'est d'inventorier, c'est de d'aller, c'est d'inventorier en gros tous les films amateurs qui puissent exister dans ils vont aller chercher des associations, pas que dans les services d'archives, hein. C'est ils vont aller voir les acteurs, en fait, des acteurs associatifs, des petits cinéma clubs, des associations d'historiens locaux qui ont pu collecter dans leur réseau locaux, enfin très serré, des films. Et parce que ça, il y en a vraiment beaucoup, surtout sur des petits territoires ruraux comme le nôtre. Et c'est pour ça qu'ils parlent d'objets filmiques non inventoriés. C'est voilà, ils qui sont un peu perdus et leur objectif, c'est de les inventorier pour éventuellement les sauver parce qu'évidemment, les conditions de conservation doivent pas être très très top dans les lieux où ils peuvent les trouver, quoi. Et donc voilà, c'est évidemment, nous on sait pas, on parlait de la même chose, hein, quand on savait de quoi on parlait. Eux, l'association, ce sont des gens qui sont, certains sont archivistes audiovisuels de formation, documentalistes. Ils ont travaillé dans des cinémathèques depuis plus de 10 ans, donc voilà, ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent des archives, et au niveau du vocabulaire, on s'y retrouve. Alors cette question de vocabulaire, elle amène finalement à présenter le rôle de l'association OFNIBUS, qui a vraiment été un acteur premier et d'organisation dans la résidence d'archives itinérantes. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette organisation, des prémices finalement, des raisons qui ont ainsi permis cet intérêt des archives départementales pour ce projet jusqu'à la concrétisation et l'organisation effective?
Donc, l'association, elle a été créée en ce début d'année 2021. Donc, elle est dédiée vraiment à la préservation, à la valorisation de ce qu'ils appellent justement la mémoire filmique des territoires, d'où sur le terme objet filmique non inventorié. Donc, ils ont, ce que je disais tout à l'heure, ils ont une expérience de plus de 10 ans justement cette mémoire audiovisuelle des territoires, près déjà de plusieurs cinémathèques, la cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain. Cyclique dans le centre Val-de-Loire, pour citer que ces deux importantes. Et donc, ils veulent aussi assurer, ils sont assurés d'un soutien d'institutions comme les régions. Ils ont eu, justement, s'ils sont venus aussi en Mayenne, c'est qu'ils avaient une subvention de la DRAC, que de la région Pays de la Loire. Et donc, leur projet était de faire une résidence d'archives itinérantes sur des communautés de communes, pour donc à la fois rechercher. Faut savoir, après, ils ont assez travaillé aussi en amont, mais peut-être que ça, je vais revenir ça plus tard sur la façon dont on organise la résidence. Mais voilà, leur objectif, c'est d'inventorier, d'aller voir les acteurs locaux pour enquêter un peu où sont les films. Les films amateurs, et de travailler avec les institutions du patrimoine local comme un service d'archives, et pour proposer justement la sauvegarde de ces films. Donc c'est vraiment, ils s'initient pas dans le travail d'un service d'archives, justement ils font vraiment le lien entre des acteurs locaux, entre des associations, des particuliers et les services d'archives. Enfin, en tout cas pour ce qui nous a concerné. Ouais. Donc ils sont tous passionnés de films amateurs. Ici qu'il y a des techniciens aussi, il y avait enfin dans cette résidence un technicien qui s'occupait de la numérisation, qui est vraiment c'est très très calé. Ils ont du matériel de numérisation, donc voilà, c'est comme ça qu'ils se sont vendus. Ils ont pas vocation à constituer une collection, c'est pas leur projet, c'est vraiment eux sur le partenariat avec les structures locales patrimoniales et archivistiques, donc dont nous on garantit la pérennité des documents. Il y a vraiment une dimension de faciliter la collecte dans le rôle de l'association. Est-ce qu'on peut C'est revenir ça. du coup sur le rôle finalement, la mission première de conservation et peut-être aussi de communication, on en reparlera plus tard, du service des archives et comment justement il peut y avoir une collaboration avec d'autres acteurs du monde culturel, des archives C'est vrai que une des missions principales d'un service d'archives, c'est de collecter. Donc évidemment, nous, on est plutôt sur évidemment les archives publiques, mais on collecte aussi des archives privées, quels que soient les supports. Donc la notion de collecte d'archives audiovisuelles, on l'a surtout, à partir du moment où ça a un intérêt patrimonial et historique pour notre département. Voilà, on collecte ce type d'archives. Eux, justement, on pourrait se dire, ils font notre job, mais je dirais pas ça. Je dirais plutôt que finalement, ils vont l'accélérer, parce que donc ils vont justement, comme je l'indiquais, ils vont enquêter, ils vont aller voir les acteurs locaux, ce que nous on n'a pas forcément le temps de faire, surtout pour un service d'archives qui est plus réduit, comme le nôtre par rapport à un grand département, enfin en tout cas avec une population plus importante. Et eux vont pouvoir prendre le temps d'enquêter et d'investiguer, et c'est là où la collaboration elle est très très intéressante, parce qu'ils vont aller à la rencontre des gens. Ils sont, alors on va pas dire qu'ils sont plus agressifs, mais en tout cas ils sont un peu plus ils titillent un peu plus les gens. Ils vont vraiment, ouais, c'est vraiment de l'enquête et de l'investigation pour savoir où sont ces films. Et parce que voilà, ils vont trouver un petit cinéma club qui existait pendant 30 ans. Ils vont aller rencontrer, ou ils vont téléphoner à ces gens-là, qui vont dire, ah, mais c'est monsieur machin qui conserve des films. Donc ils vont téléphoner, voilà. Vraiment, c'est vraiment de l'investigation. Et nous, évidemment, on a clairement pas le temps d'effectuer ce type d'enquête. Nous, on va peut-être justement faire des appels relayés par la presse. On va communiquer sur des appels à la collecte. Si on fait une exposition sur une thématique précise, voilà, ça se fait de faire des appels, comme fait régulièrement les Archives de France, enfin de façon nationale, comme il y a pu en avoir. Mais eux, voilà, sur le film amateur, ils vont, c'est leur force. Et ce partenariat est vraiment très intéressant pour cela. Ouais.
Cette collecte, cette forme très basée sur l'enquête, finalement, elle demande quand même un savoir-faire, des capacités de recherche. Est-ce que vous avez senti du côté des archives départementales, lors de cette collecte, une montée en compétence sur ces questions pour finalement faciliter le travail par la suite de collecte des archives audiovisuelles, si l'occasion se représente? Alors, disons que la compétence au niveau des archives départementales, on l'avait, nous, hein, mais disons que d'ailleurs, les plusieurs acteurs locaux qu'ils ont pu avoir, on leur a transmis déjà des informations, ainsi que d'autres collectivités et d'autres services d'archives, hein, parce que forcément, ils ont communiqué avec des services d'archives communales et les archivistes qui sont présents dans ces services d'archives communales ont aussi des renseignements à leur donner. Donc, nous, en tant que service d'archives, on a déjà cette compétence d'investigation. On l'a, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de temps. Nous, on priorise et forcément, cette instigation de pousser cela, c'est ingérable pour nous. Eux l'ont déjà à l'origine, et puis que ce soit par les personnes elles-mêmes, par rapport à leur expérience, leur personnalité, tout ça. Donc, ils avaient cette expérience, et aussi peut-être ce qu'on a peut-être moins, justement, mais c'est aussi parce que c'est notre mission, à un moment donné, elle s'arrête là. C'est que eux vont insister dans la recherche. Nous, à un moment donné, on ne peut pas insister non plus. On n'est pas là pour dire aux gens donnez-nous absolument vos films. C'est pas nous, on communique sur ce qu'on fait, sur nos missions. Après, les gens font ce qu'ils veulent. On ne peut pas évidemment les forcer. Donc, nous, on est plus dans la sensibilisation. Même si eux le font aussi, hein, ils vont pas non plus leur mettre le couteau sous la gorge. Mais voilà, il y a toujours, ils peuvent se permettre d'être un peu plus insistants que nous, quoi. Vous commenciez à parler tout à l'heure un petit peu des conditions d'organisation de cette résidence. Est-ce qu'on peut revenir sur les particularités? Est-ce qu'il y a quelques conseils et retours pratiques que vous pourriez donner sur la partie organisation? Sur la partie organisation, c'est vrai que c'est vraiment que du côté de l'OFNIBUS, hein, c'est eux qui ont organisé eux-mêmes. Nous, finalement, on les a suivis du regard. Donc, il a fallu quand même signer une convention parce que donc dans ce projet, eux s'occupaient donc en gros d'investiguer et lors de cette résidence, donc ils rencontraient, ils avaient déjà prévu des rendez-vous avec des futurs des déposants, des potentiels déposants d'archives. Et donc, il y avait de la numérisation sur place. Et après, donc, l'objectif, c'est que l'OFNIBUS nous transmette les fichiers numériques les films qu'ils ont numérisés. Et ils sensibilisent aussi donc les personnes à faire un éventuel don ou un dépôt donc aux archives départementales. Dans cette convention, en fait, l'OFNIBUS s'engage quand même donc à proposer le dépôt ou le don. Donc voilà, ils s'engagent au fait qu'à chaque personne qu'ils vont rencontrer, ils disent ils citent notre rôle et il les sensibilise et les propose à chaque propriétaire. Ils transmettent aussi donc ils nous transmettent les inventaires produits, la documentation collectée aussi sur l'origine, le contenu des fonds repérés en résidence, hein, c'est très important pour nous. C'était pas d'avoir un film comme ça sans savoir ce que c'est, qui l'a fait, donc on a besoin d'avoir comme déjà un petit dossier de fond déjà constitué. Et là aussi, l'OFNIBUS a été très très efficace parce que ils ont vraiment fait un job d'archiviste en posant les bonnes questions aussi à chaque propriétaire ou auteur sur le contexte de la production des films. Il y avait aussi, ça c'est en amont, sur tout ce qui est propriété des fonds. Donc, l'OFNIBUS ne revendique pas la propriété des fonds collectés, hein. La propriété du fonds relève du mode du dépôt retenu. Donc, si finalement ce sera un dépôt, un don. Et le dépositaire donc, des archives audiovisuelles reste propriétaire des supports, évidemment. Sauf en cas de don au conseil départemental. Évidemment, donc ça, c'est quelque chose d'important quand même, c'est que les archives, en fait, sur le fait de nous proposer des films numériques, ok, mais évidemment,
Dans la convention, il est quand même mentionné qu'il faut que le film ait un intérêt historique et patrimonial. Donc on pouvait très bien dire, enfin, et on peut très bien dire dans ce qu'on va retrouver, ce film-là, on est désolé, mais il nous intéresse pas. On garde la main, évidemment, sur ça. On va pas nous obliger à collecter tout et n'importe quoi. Finalement, ça a été très vite et nous, voilà, quand ils nous ont contactés au début pour signaler déjà leur existence, c'était avant déjà de savoir qu'ils allaient faire une résidence d'archives. Après, le fait d'avoir eu aussi une subvention assez rapidement, avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire, ça a été très rapide. Ça s'est fait du 13 au 18 septembre. Nous, on était en pleine organisation des Journées européennes du patrimoine. On ne pouvait pas les suivre. Enfin, voilà, on ne peut pas. Nous, ce qu'on pouvait faire, c'est évidemment les soutenir et de signer cette convention et puis d'aller les rencontrer aussi, hein. Je suis allé les voir. On a fait de la communication aussi ensemble. On a communiqué pour eux aussi, que ce soit sur notre site internet, les réseaux sociaux. Évidemment, ça, c'était la moindre des choses. Mais bon, notre travail, nous, finalement, il s'arrêtait là dans un premier temps, quoi. C'était de cadrer un peu, justement. Ce qui allait nous arriver, parce que mine de rien, après, ça nous fait quand même pas mal de boulot de contact. On pourra y revenir après sur justement le futur. Mais voilà, c'est de cadrer ça. Et puis après, ils nous ont mis vraiment aussi tout de suite en confiance, sans problème. Cette dimension de cadrage est importante en amont. Si on peut revenir un petit peu sur les réussites et les points d'attention à garder en tête lorsqu'on veut organiser ce type de collecte, quelle solution vous pouvez proposer et quels conseils? Moi, je dirais, c'est vraiment justement c'est forcément une convention de partenariat, mais ça, l'OFNIBUS le propose tout de suite, qui stipule vraiment, voilà, ce que il faut aussi se positionner en tant que service d'archives, hein, donc à quoi ça nous sert, qu'est-ce qu'on veut. Donc voilà, on va se lancer finalement. Ils font de la collecte, mais c'est nous qui allons collecter aussi. Donc il faut faire attention à ça aussi, et puis se mettre d'accord avec la politique de collecte du service d'archives. Donc c'est peut-être que certains services d'archives départementales va être moins intéressés aussi pour conserver que des fichiers numériques, parce que là, on va avoir donc des. On a déjà reçu beaucoup de fichiers numériques, mais on n'a pas forcément tout le temps les bobines qui vont avec. Et évidemment, en tant que service d'archives, nous, on est plus intéressés par le physique. Donc là, ce ne sera pas forcément toujours le cas. Il va falloir, nous, qu'on recontacte après les. Donc chaque déposant, on va prendre rendez-vous, parce qu'on doit recontractualiser aussi le dépôt ou le don, suivant ce qu'ils veulent. Parce que ça, j'en ai pas parlé, mais en fait, ça, ce qui est prévu, c'est que pendant la résidence d'archives, quand ils rencontrent les gens, ils signent il y a un contrat sur lequel on s'est mis d'accord avec eux, qui est en gros un contrat d'intermédiaire entre le déposant et nous, par l'intermédiaire de l'association Fnibus. Le dépôt, il est autorisé à déposer aux archives départementales les fichiers numériques, et donc sur un contrat déjà de réutilisation des fichiers numériques. Après, il va falloir qu'on aille un peu plus loin. Donc, il faut aussi penser au travail que ça va faire, que ça va nous donner après. Ça peut être plus ou moins long en fonction de la quantité de films qui peuvent être collectés. Ouais. Donc ça, c'est ouais, faut faire attention à bien tout mentionner dans cette convention, que chaque en fait, il faut reprendre toutes les notions liées à la collecte d'archives privées et les stipuler dans cette convention. Lors de la résidence d'archives itinérantes, il y a eu plusieurs présentations aux habitants de Mayenne de films. Oui, Finalement, exact. la question, c'est la conservation finale et la communication. Quels sont un peu les futurs pour ces films et quels sont un peu l'avenir en conséquence de la résidence? Pour l'instant, alors à court terme, parce qu'évidemment, il faut évidemment le traiter. Donc, il y a des notions de classement, des notions d'instruments de recherche à élaborer. Mais et ça va être évidemment assez long, hein. C'est plutôt suivant suivant nos priorités du moment en tant que service d'archives, et puis aussi certaines difficultés où des fonds plus ou moins importants.
Ce sera plutôt à moyen terme, voire long terme pour certains fonds, le temps que ce soit diffusé sur notre site internet ou aussi sur les postes informatiques de la salle de lecture. Mais en tout cas, nous, il se trouve qu'on a un projet d'exposition sur la thématique des 30 Glorieuses en 2022-2023. Donc, clairement, il y a de très, très, très grandes chances qu'on réutilise des films pour cette exposition. Et ça, c'est un heureux hasard parce que c'est pas forcément ce qu'on avait prévu. Donc, je ne sais pas encore parce que j'ai déjà une idée des thèmes qu'on peut retrouver dans les films collectés, mais il y a de très grandes chances qu'ils soient utilisés. Il y a aussi, bah voilà, rien ne nous empêche aussi de faire un peu de diffusion sur des réseaux sociaux. Voilà, on aime bien montrer les fonds que l'on conserve sur les réseaux sociaux. Donc sur la page Facebook des archives départementales, et il se peut qu'on diffuse des extraits, des petits extraits sur des thèmes, voilà, un peu des marronniers sur l'année. Voilà, si on a quelque chose sur Noël, bah voilà, rien ne nous empêche de diffuser des petits bouts de films. C'est toujours sympa. Mais voilà, c'est sur la diffusion d'instruments de recherche bien chiadés sur notre site internet. Il va falloir quand même attendre parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de travail. Pour finir, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur quelques chiffres? Il y a beaucoup de données, vous pourrez consulter le site de l'OVNIBUS, mais est-ce que vous avez quelques chiffres, voilà, à nous donner Alors, oralement? ils ont collecté en tout, on va avoir 18 dépôts potentiels. Alors, en fait, on en a déjà eu un, donc on a déjà un dépôt de films qui est arrivé déjà aux archives départementales. Ils ont eu dans ces dépôts 272 supports filmiques, donc bobines, VHS, etc. Évidemment, ils n'ont pas pu numériser tout sur place. Parce que forcément, ça a beaucoup, beaucoup d'heures. Le technicien, il pouvait pas être là, c'est même en travaillant 24 sur 24, c'est pas possible. Donc pour l'instant, ils en ont numérisé que 56. Ça fait déjà pas mal d'heures. Je crois qu'en tout, on est à peu près à 19 heures. Donc c'est déjà pas mal. Et forcément, bah, quelle est la suite des supports non numérisés? En fait, il y a deux possibilités, surtout une grosse qui concerne ce qui est proposé par les DRAC, le ministère de la Culture, le programme de numérisation et de valorisation des contenus culturels, le PNV. Donc les DRAC lancent des appels à projets sur des, ouais, voilà, des fonds qui peuvent être numérisés. C'est quelque chose qui avait été lancé dans la fin des années 90. Ça s'appelait le Programme national de numérisation du patrimoine culturel et de la création. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu varié sur plus des contenus culturels. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on va justement répondre, enfin, avec l'OFNIBUS à ce projet en proposant donc la numérisation des fonds qui n'ont pas été. Et puis après, voilà, s'il y a des fonds qui n'ont pas pu être numérisés, nous, voilà, on a quand même des budgets alloués à de la numérisation. Évidemment, si on a les films aux archives en dépôt ou en don. Sinon, évidemment, ça va pas être possible. Nous, en fait, on n'a malheureusement pas le matériel chez nous pour numériser des documents audiovisuels. Certains services d'archives en ont, hein, ils ont la chance d'en posséder. Nous, malheureusement, on n'en a pas, donc on fait appel à des prestataires pour numériser des films. Donc voilà, après, on n'exclut pas, et c'est très probable, d'avoir une résidence d'archives numéro 2, donc qui pourra se faire dans d'autres territoires, parce que donc là ça a été sur trois territoires de la Mayenne, mais ça pourrait être dans trois collectivités. Ça pourrait être très bien dans d'autres, parce que comme ça a été très vite, même s'il y a de la communication, les gens ne le voient pas forcément. Voilà, c'est bien d'aller sur les territoires. Nibus va aussi travailler, il faut qu'il travaille avec les élus locaux aussi pour organiser aussi des événements, pour qu'il y ait plus de communication. Donc ça permet aux collectivités de bien s'organiser en amont. Donc ça, l'OFNIBUS va le faire. Mais voilà, c'est très probable qu'il y ait une résidence d'archives numéro 2. Donc ça c'est et nous, bah voilà, c'est toujours pareil. On a de l'attention à avoir sur le travail à fournir de notre côté, pour qu'évidemment, les fichiers numériques et les bobines s'endorment pas dans nos magasins ou sur nos serveurs. Merci beaucoup Jérôme Chevreul pour ce retour sur l'expérience de résidence d'archives itinérantes filmiques organisée en septembre 2021 aux archives départementales de la Mayenne en partenariat
avec l'association OVNIBUS. N'hésitez pas à fouiller, regardez sur leur site internet pour retrouver l'ensemble des détails sur cette campagne. Un très beau projet qui s'inscrit dans une tendance de réflexion sur la coordination pour la collecte des archives filmiques d'amateurs et d'amatrices. Une collecte enthousiasmante avec des résultats intéressants et des valorisations très utiles pour faire connaître les films et le patrimoine sur le territoire. Un exemple de collaboration qui peut être adapté et réadapté pour beaucoup de structures. N'hésitez pas à commenter, aimer et partager cet épisode du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @fonddarchive ou sur fonddelarchive.wordpress.com. L'ensemble des informations en description. Au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode. Ma mémoire, tu es toujours tellement de moi. Ma mémoire, tu dis que je n'étais pas. Ma mémoire, je ne veux plus te croire. Ma mémoire, où coulent les trous de ta passoire. À mémoire, je ne veux plus te croire. Pourquoi je raconte toujours les mêmes anecdotes? Pourquoi je radote? Pourquoi je radote déjà? Il y a une fascination chez moi à me souvenir. C'est comme si j'essayais de construire un pont, un très grand pont entre deux continents, le passé et le présent. Thank you.